Voilà, donc comme je vous l'ai promise, eh bien, chose promise, chose due. Nous revoilà avec Jenny Hippocrate, qui est écrivaine, qui est, oh là là, j'ai pris des notes, qui est psychologue, qui est présidente d'association, qui est poétesse, qui jadis a été une très bonne sportive. Elle est dans un milieu aujourd'hui qui est le milieu de l'écriture. Elle a écrit un dernier ouvrage sur 12, parce qu'elle est 12e, je ne sais pas, hein, c'est peut-être. Il y en aura d'autres, il y a deux autres préparations déjà. Il faut au moins qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 16, au moins. Oui, au moins. oui. Donc voilà, son ouvrage qui est là est intitulé Arrête de toujours accuser les pères, ma mère me viole. Alors, ce livre-là parle bien évidemment de viol, oui, c'est ça. d'inceste. Et juste avant d'entrer dans ce chapitre-là, d'entrer dans le livre, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a causé cet élan d'écriture? Comment est arrivée cette envie d'écrire, de tout mettre sur un livre, pas se contenter des poèmes, mais de mettre dans un livre à chaque fois ce qui vous venait à l'esprit? Comment ça s'est En venu? fait, j'ai écrit que des histoires vraies. Je ne me considère pas comme une écrivaine, une narratrice, une auteure, ouais. mais j'ai écrit que des histoires vraies jusqu'à maintenant et ma bio en 3 ou 4 fois. Moi, je pense que quand on a des blessures, on cherche à se guérir. Moi, l'écriture s'est imposée à moi, sous forme de résilience, dire ce que j'ai au fond de mon cœur et parler aux autres à travers ça. Souvent, des gens sont venus me déposer leur histoire sur mes frêles épaules. Oui. Et en écrivant, je vais redéposer à mon tour ces histoires sous les épaules des autres. Donc, ça Oui. veut dire que j'ai de l'aide aussi à mon D'accord. tour. Et c'est ma psychothérapie en même temps. Donc, c'est hyper important d'écrire. Et je conseille tout ça à mes ex-patientes, parce que maintenant, je ne suis plus psychologue en milieu carcéral. J'ai démissionné puisque j'ai trop de choses à faire. Mais j'ai conseillé ça même aux gens qui ont fait de gros délits. Je leur disais, écrivez, même si c'est Ouais. dur, écrivez. Mais sinon, mon père était déjà dedans. Mon père écrivait beaucoup, hein. Et puis c'est bizarre, hein, mon fils qui est atteint de drépanocytose, lui aussi il écrit déjà 3 ouvrages. Justement, cette drépanocytose qui a permis quand même à Jenny qui est là de devenir la présidente de l'APIPD, hein, ce qui signifie. C'est trop long. Association pour Oui, l'information et la voilà. prévention de la Il y drépanocytose a, c'est une, internationale, voilà, par c'est une contre. vraie phrase. Et elle est devenue présidente de cette association parce que son fils était atteinte par cette maladie. Mais cela n'a pas empêché à Jenny de continuer son travail et de continuer à rencontrer les gens. Elle a fait de la souffrance de l'autre son cheval de bataille. Elle a plusieurs cordes à son arc. Vous avez déjà vu que c'est pas un petit madame qui l'a, c'est quelqu'un qui fait les choses. Et à travers tout cela, elle se met au service des personnes qui souffrent. Oui. Vous avez décidé de prendre, malgré vos propres souffrances, mais prendre en charge certaines souffrances moralement, Ce qui psychologiquement. veut dire je suis kamikaze. Non, Voilà. en fait, j'ai une amie psychologue qui était mon élève d'ailleurs. Elle m'a dit un jour, Jenny, j'ai l'impression que tu souffres du syndrome de Jésus-Christ. Tu veux sauver tout le monde. Non, j'ai appris la maladie de mon fils par téléphone. C'était un vendredi matin, j'oublierai jamais une voix, ce que j'appelle la voix off. Une femme, elle me dit, votre fils est atteint de la forme la plus grave de la drépanocytose, il est SS, par téléphone. C'est pour ça que je me suis battue qu'il n'y ait plus d'annonce. S'il n'y a pas d'annonce diagnostic par téléphone aujourd'hui en France, c'est grâce à Jenny Hippocrate, que ce soit la pathologie. Et elle m'a dit, je lui dis, c'est quoi la drépano? Elle me dit, votre fils ne vivra pas jusqu'à l'âge de 5 ans, il mourra. Il mourra, alors il ne faut pas trop l'aimer, il ne faut pas trop le Oh cajoler. Oui, direct. J'habite au 6e étage, je connaissais la drépa, mais je ne savais pas que c'est une maladie génétique. Je me suis approchée du berceau, j'ai dit, je prends l'enfant et je saute par la fenêtre. Oh Et je le regarde, il s'appelle Taylor. Je le regarde, j'ai dit, mon chéri, maman va faire quelque chose, hein, parce que là, je ne pourrais pas accepter tout ça et voyager avec tout ça, avec toi. Donc, on en finit. Et là, il dormait, il ouvre les yeux, il me regarde, il affiche son plus beau sourire. Oh là Il là. me sourit et il continue de sourire. Je lis, je suis le grand combat de ta vie. J'ai dit, j'ai compris. J'ai dit, mais tu vois, tu devras rester en vie pour que maman puisse continuer ce combat-là. J'ai vu, oui. Un mois plus tard, j'étais en Afrique.
Je cherchais et j'ai cherché. J'ai vu les tradipraticiens, les marabouts, j'ai vu tout le monde. Oui. Et quand je n'avais pas la réponse, je changeais de pays et ma famille était derrière moi. Mmh. Donc je laissais mes deux autres enfants, parce que j'en ai trois, avec mon mari qui est là. Alors souvent ils disent oui, Jenny, c'est un potomito, mais ils oublient le mur de soutènement qui est mon mari. Il n'a pas pris la peau d'escampette, comme le font beaucoup de papas. Dès qu'il y a un machin, hop là, nous cachapons. Non, 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 au contraire, il me disait vas-y, je reste là avec les enfants. D'ailleurs, il restait beaucoup à l'hôpital, tenant la main de mon enfant. De notre enfant couché par terre parce qu'il y avait soi-disant des hôpitaux mère-enfant, c'est pas vrai, il y avait rien, on était par terre. Et donc là j'ai dit je vais faire mentir la science. Et j'ai dit à Taylor, tu vas faire mentir la science, on ne va pas accepter la mort annoncée, mais on ne va pas faire le deuil de ta santé, on va faire le deuil de la mort annoncée et on part en guerre. Et je suis partie en guerre, j'ai rencontré tout le monde, tous les chefs d'État, j'ai rencontré mais tellement de personnes. Les gens, ils étaient subjugués parce que quand ils me disaient non, j'entendais oui. Moi, je ne veux pas entendre non. Si tu me dis non, il faut me dire pourquoi tu me dis non. Pourquoi? Oui, ok. Non, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu me donnes vraiment quelque chose de crédible, je vais dire. Alors, je suis du style, quand on me ferme la porte, je passe par la fenêtre ou je passe par le trou de la serrure ou ma souris plate là, je passe par bas. Je ne vais pas m'arrêter là. Et j'ai compris que les drépanos, les parents étaient étouffés. Il y a tout cet aspect socioculturel, toute cette symbolique du sang. Mais il y a aussi la honte. Et la honte, c'était un sentiment destructeur. Je l'ai toujours dit, cette honte de dire j'ai un enfant malade, etc. Alors, ils associaient ça, on t'a fait du mal, on a fait du mal à ton enfant, tout ça. Alors, j'ai dit, il faudrait que je brise tout ça. Je vais faire voler en éclats tous ces tabous. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie en guerre contre la maladie. Et pas seulement contre la maladie, contre l'inertie des pouvoirs publics. Le laxisme l'immobilise. Mais je dis, je ne suis pas en guerre contre qui que ce soit. Mais ce qui me barre la route, je le passe dessus, je suis un bulldozer. Voilà. Et ma route est... Vous savez pourquoi je suis morte depuis très longtemps. On m'a tuée en me disant, c'est mon âme qui revient. On ne peut pas tuer une morte. Et c'est ce que j'ai dit à un monsieur qui m'a dit, je vais te griffier, je vais te faire du mal. Tu dis que mes médicaments, ils ne sont pas bons et tout. J'ai dit, mais comment tu peux tuer? Et si tu m'appelles, c'est que tu as peur de moi. Et comment tu peux tuer une morte? Dis-moi comment tu peux faire ça. Et le fait de griffier, je suis un gros griffier, moi, tu n'as pas vu ça. Alors il faudrait peut-être arrêter ces conneries-là et puis peut-être marcher pas face à face, c'est pas bon, côte à côte. Ouais, c'est sûr. On n'est pas des adversaires, on n'est pas face à. On va marcher côte à côte et on va trouver un médicament pour guérir la drépanose. J'étais dans tous les essais, tous les labos, que ce soit aux États, ils font un truc. Madame Hippocrate, on vous invite, il n'y a pas très longtemps, juste avant le Covid, j'étais à Boston. D'ailleurs, le Covid m'a prise à Conakry, d'accord, en Guinée, où justement, ils créent un centre qui va s'appeler Jenny Hippocrate. Sept mois que le gouvernement m'a harcelé. J'ai dit, je ne le fais pas pour ça. Et j'ai vu après qu'elle a mis sur les réseaux sociaux, on l'a eu à l'usure. À la fin, j'ai dit, ok, j'accepte. Et quand le chef d'État a pris son téléphone pour me dire, Madame Hippocrate, c'est un honneur pour moi d'avoir Jenny Hippocrate sur le sol guinéen. J'ai dit, il voulait vraiment que je sois là. Ben, voilà, ce sont des choses comme ça. Mais je suis la voix, je dis comme Aimé Césaire, hein, je suis la voix de ceux qui n'ont pas de voix, VOIX, et je suis la voix VOIE, peut-être pour tracer, pour aider les autres. Les voix, en fait. Voilà. Toutes les voies qu'on peut emprunter quand on a besoin de sortir la tête hors de l'eau. Alors, avec ces collaborations diverses, vous avez réussi. Et votre fils, aujourd'hui, est devenu quelqu'un de très haut placé, si on peut dire, parce que c'est un cerveau. Oui. Hein, ce qu'on voulait peut-être vous faire croire qu'il fallait laisser en plan à 5 mois est devenu aujourd'hui quelqu'un qui travaille avec des structures telles que la NASA. Oui. Alors, racontez-nous cette petite anecdote-là. Pour la NASA. Qui fait ma fierté. En fait, déjà, quand j'ai dit on va continuer, il s'appelle Taylor. Oui. J'ai dit ton nom va rimer avec trésor. Ton nom ne va pas rimer avec sort ni mort. Ouais, ouais. D'accord. Et Taylor, il me disait toujours, je vais piloter. Je suis partie, j'étais à Copenhague. Quand je suis revenue, mon mari me dit, Taylor, pilote. Je dis, c'est quoi ça? Qui est l'imbécile qui a signé alors que ces enfants-là, ils ne doivent pas aller en altitude? Oui. Mais c'est un vieux monsieur, un expert. Oui. Quand il l'a vu, il a dit, toi, oui, je veux que tu pilotes. Et il a eu son brevet à l'âge de 17 ans. De pilote privé. Il ne fallait pas qu'il pilote. Ça, c'est premier voilà. Il ne fallait pas qu'il pilote. On continue. En plus, il a quand même une autre maladie génétique, qui est l'écriture. C'est lui qui écrit « Moi, ça va avec la drépanocyte où je vis », où j'ai rencontré M. Ectus, l'histoire d'un jeune garçon qui rencontre un vieil homme très lettré. Et ce livre en Martinique est rentré dans les écoles. Et là, il est en train de sortir un autre livre qui s'intitule « Vivre pour mourir, mourir pour vivre ». Il va se dire comment s'auto-tuer pour pouvoir renaître et revivre. Mais c'est un livre, oh là là, c'est la psychologie, mais c'est incroyable. C'est un
d'un fervent des chakras. Mais l'arbre, de le fruit n'est pas tombé. Voilà, loin du. Voilà. Et de chakras, d'aura, il fait du magnétisme. Oui. Hein, il fait se resturgir des veines pour ne pas poser des pistules, pour, oui. des fistules, pardon, pour les personnes de répano. Mais il est ingénieur en électro. Et à quel âge aujourd'hui vous faites 29 ans. Et Taylor, et aujourd'hui, il a 3 entreprises, dont une à Hong Kong. Il a travaillé 3 ans en Chine. À Shenzhen, il fait de l'innovation technologique, il fait des hologrammes, des 3D, tout ça. Wow. Une et 2 autres entreprises, Enovacop, c'est à lui, et Ravenvox. Il faut qu'on note, hein. elle nous le dit. Mais Taylor Fixie, dès qu'on met Taylor Fixie, tout le monde sait. Taylor Fixie ou Enovac. Voilà. Voilà. Et donc, il fait des hologrammes. Là, il est en train de faire mon hologramme pour m'envoyer à Baïa. Mm-hmm. Et il y avait un truc pour la NASA pour faire la combinaison des astronautes. Et lui, il a proposé, il a fait la combinaison. Mais bon, c'est vrai qu'après, ça nous coûtait très cher pour faire le vrai prototype. Ouais. Et il a proposé que pour sortir de la navette, pour rester 7 heures sur Mars, sans rentrer tout de suite. Et donc, du coup, avec évidemment, les gens, ils vont faire leurs extrêmes. Avec ça, on refait de l'oxygène, etc. Il a proposé ça. Et comme son dossier n'a pas été sélectionné parce qu'il voulait d'une grosse entreprise, donc ils ont dit, mais on va quand même t'aider. Dis-nous ce que... Alors, ils ont dit, on va te donner parce que c'est incroyable. Ils m'ont appelé, mais attendez, c'est un jeune homme. Je dis oui. Et donc, ils m'ont dit, bon, un jour, il me dit, maman, je t'avais toujours dit que je serais le premier malade à aller sur Mars. Je dis oui. J'ai dit, tu n'iras pas sur Mars, mais non, mais il y a un médaillon. Oui. Alors, donc, il était sélectionné. Oui. Je ne sais pas combien de personnes. Au départ, à ce qu'il paraît, il y avait 20 millions de personnes. Wow. Donc, il est sélectionné. Oui. Donc, son nom est gravé sur un médaillon. Et le robot qui est sur Mars a déposé ses médaillons avec ses personnes sur Mars. Donc, on lui a envoyé sa carte de bord et tout. J'ai mis ça sur les réseaux. Hein. Oui. Et donc, Taylor est connu par la NASA qui le suit. Qui, je pense que je vais certainement vraiment travailler ensemble. Merci beaucoup, Maïnou, hein, comme on dirait à cette Paris. Il n'est pas mort. Sa mort avait été annoncée pour ses 5 ans. Eh bien, il est là, et puis voilà, il est sur Mars. son médaillon porte son nom posé sur Mars par le robot qui est parti récemment. En tout cas, je reviens dessus, j'insiste, il a l'âge de mon fils, et mon fils aussi, il est pas mal. Ses enfants de 92 ont été prédestinés à faire de grandes choses, hein, finalement, et ils n'ont pas terminé. Oui, alors Taylor, il fait plein de choses, c'est l'écriture, il m'aide beaucoup, il est ambassadeur. Ouais. aussi de la maladie, et très souvent toutes ces stars qu'on voit, c'est lui qui arrive à les trouver, parce que dès qu'il envoie quelque chose ou il fait une vidéo pour les stars, il dit jamais non. Et souvent, ces personnes répondent, les personnes qui ont cette même maladie, répondent à Taylor alors. Ils me répondent beaucoup aussi. Ils vont voir, j'envoie des petites vidéos, ils vont voir. Ouais. Il y en a qui me disent, waouh, mais il y en a beaucoup qui ont entendu parler de moi quand même, parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup de distinctions. Hein, donc, tous les pays, j'ai plus de 100 distinctions. On a noté chevalier d'honneur. Chevalier de la Légion d'honneur dans l'Ordre national du mérite. J'ai même été élevée au grade de commandeur par la principauté de Monaco. Albert de Monaco m'a élevée. J'ai été Black Business Woman à Londres. Madame Cherie Blair m'a décorée. Je suis ambassadrice de la République de Montmartre. Montmartre a une république. Et je suis l'ambassadrice itinérante. Je suis arrivée juste après le président. J'ai fait beaucoup. Elle a été distinguée, mais alors on l'a. J'ai été, j'ai oublié de dire, il y a une distinction que j'oublie tout le temps et on me gronde. Ouais. J'ai été distinguée en Suisse, grande dame de la diaspora africaine, ils ont mis après antillaise aussi. Antillaise. Parce qu'il n'y avait pas ça. Donc, alors, dans l'ordre, vous représentez cette diaspora africaine, antillaise. J'adore l'Afrique, j'y suis toujours, tout le temps. Vous emmenez les Antilles aussi. J'emmène les Antilles. J'ai même organisé, il y a quelques années, j'ai affrété un avion pour aller au Sénégal. C'était Goré, et je disais aux Martiniquais, je vais le refaire, soit pour Bénin ou ailleurs, mais je voudrais bien le refaire. Mais quand j'ai dit ça, je n'ai jamais le dire parce que tout le monde m'a appelé. Mais on va quand même le faire. Alors, vous avez parcouru plus de 100 pays, je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes devenue femme formidable en 2010. Avec 230 000 votes. 230 000 votes sur le magazine Femme Actuelle. Et prix du jury, prix de Nivea aussi. Voilà. Donc, tout cela, c'est cette personne. Et j'ai eu le premier prix du sinogramme, c'est le mot chinois. Il n'y a pas longtemps, c'est l'année dernière, qu'on va employer pendant une année. 23 millions de Chinois ont voté pour mon mot et j'ai gagné devant les Chinois, le sinogramme. Ils n'en ont pas beaucoup parlé aux Antilles. Oui. Sinogramme, c'est un mot. En plus, j'ai cassé les codes. C'est
c'était un nom qui devait se terminer par I, mais j'étais, je ne connaissais rien. Au départ, Radio Mandarin, le président m'a appelé pour être jury. Après, il m'a dit, tu peux choisir un mot. Mm-hmm. Et je dis, abnégation. Il a commencé à rire. Moi, je ne savais pas. Pendant ce temps-là, il fallait choisir un mot en I, comme maladie, pandémie, etc. Mm-hmm. Et puis, après, je lui dis, mais c'est quoi? Il m'envoie des trucs, les Chinois qui déploient des banderoles, voter. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je suis une petite Antillaise. Mm-hmm. Il m'a dit, génie, tu ne sais pas ta portée. Tu ne sais pas. Et à la fin, je suis sortie avec 38% des voix, c'est sur, tout ça c'est sur les réseaux, avec 23 millions de Chinois qui ont voté pour moi. Alors, et les Chinois veulent me rencontrer, donc on m'a invité au Laos, en Thaïlande, on m'invite partout, mais avec pandémie, je ne peux pas y aller. C'est ce qui nous, voilà, nous pose problème. Mais alors, je vais offrir ce billet à quelqu'un, si les Chinois acceptent, parce que je connais déjà tous ces pays, je veux bien que mes compatriotes puissent bénéficier de ça. Oui, mais ce que là, que cette compatriote pourrait dire, ce ne sera pas les mêmes choses que vous, vous auriez. Bon, pourquoi pas la maman d'un enfant malade qui n'est jamais sorti de chez elle. Peut-être, oui, oui, elle connaît, elle a des choses à dire. Voilà. Alors, à côté de cela, je vois que j'ai pris vraiment des notes. Vous étiez donc, ce qui a retenu mon attention, c'est de savoir que vous aviez eu l'ordre du mérite, c'est ça, ce n'est pas évident, vous êtes une femme. Et, là, et évidemment, j'ai aussi la Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Oui. Donc et je vous donne bientôt, je vais avoir le prix de l'engagement francilien par la région d'Île-de-France. Et je suis, depuis 3 ans, je ne suis pas allée chercher la médaille, pardon la République, je suis officier dans l'Ordre national du Médecin. Plus haut. Ah ouais, je ne suis pas encore allée chercher la médaille, je n'ai pas le temps. Nous n'avons pas pardon la République, parce qu'ils m'ont dit, vous moquez de la République, mais je n'ai pas le temps. Mais oui, mais on ne peut pas être partout, et puis voilà. Il faut nous la laisser un peu pour que nous aussi et on puisse... Et puis moi, je vais vous dire... Est-ce que vous êtes décorée aux Antilles aussi? Oui. Je suis décorée... Bon, déjà, je suis... citoyenne d'honneur de la ville de Saint-Ouen, beaucoup de Saint-Ouen, de Sainte-Marie, je suis... On revient dessus tout de suite et on s'offre cette pause.